Le père d'Adeline Blandier vend aux enchères un cadeau symbolique pour Laura Smet. Le 20 octobre prochain, Adeline Blandier se défera de ses derniers souvenirs du rocker. En 1990 et en 1994, Adeline Blandier et Johnny Hallyday se sont mariés avant que leur rupture ne soit définitive en 1995. Quelques années plus tard, alors qu'elle porte plainte pour diffamation pour le portrait qui est fait d'elle dans l'autobiographie du rocker, la comédienne accuse de viol en pleine audience celui qu'on lui avait présenté alors qu'elle était encore mineure. Elle ne portera pas plainte pour ces faits et Johnny Hallyday, qui les a toujours contestés, ne portera pas non plus plainte pour diffamation. Presque un an après la mort de Johnny Hallyday, Adeline Blandier a donc décidé de définitivement tourner la page en mettant aux enchères les objets qu'elle gardait en souvenir de leur histoire commune. Dans le catalogue de l'hôtel des ventes de Raw, elle déclare « La mort change notre regard sur le passé. Elle nous pousse à pardonner, à tourner une page, à ne garder que le meilleur. » Pour faire mon deuil, je me suis replongée dans l'histoire passionnelle, de presque 10 ans, que nous avions vécu. L'actrice des Sous le soleil met donc en vente sa robe de mariée Nina Ricci haute couture estimée entre 12 000 et 15 000 euros et divers bijoux. La magazine Voici révèle que son père ajoute à cette vente un objet plus singulier, une bouteille de champagne que le rocker a offert à ses proches pour la naissance de sa fille Laura. Estimée entre 100 et 150 euros, la bouteille est donc en vente pour des raisons symboliques et devrait sans nul doute faire pester Laura Smet, soucieuse de récupérer des droits sur l'héritage et le patrimoine de son père. C'est un souvenir de plus qu'on lui dérobe.